Ok, et donc nous nous retrouvons donc plusieurs heures plus tard après que j'ai encodé les morceaux de Fraps. Donc j'ai été sauvegardé rapidement et puis on est reparti. Ok, je suis à la Willis Tower. On a quoi sur Elena? D'après ses mises à jour de statut, elle aime bien les selfies. Là, elle fait une duckface. Là, elle est avec une copine. Ah, elle aime ses chats aussi. Qu'est-ce que tu lui veux, cette pauvre fille? À elle, rien. C'est son oncle que je recherche. Et je pense qu'elle peut me mener jusqu'à lui. Ok. Donc, utiliser Profiler. Normalement, il est déjà activé. Ouais, ça. À mon avis, il veut qu'on le réactive. J'ai quelque chose. Elle a publié une photo d'elle ce matin. Sa tenue du jour, cheveux bruns, lunettes et un sac à dos vert. Merci. Ouais, méfiez-vous de ce que vous mettez sur vos réseaux sociaux. J'ai pas retenu par contre. Je chope un maximum de thunes hein, tant que j'y suis. Hein. Oui, c'est ça. Et j'ai déjà gagné $5000, mais j'ai besoin de ton aide pour répondre à la question suivante. Alors, est-ce que t'es prêt? Ok, Elena. C'est parti. Allô? Mademoiselle Tucci. Je suis le docteur Hayat du Chicago Hospital. Nous avons les résultats sanguins de votre oncle Angelo, mais on n'a que votre numéro. Vous savez où on peut le joindre? C'est urgent. Ah, je suis désolée, j'ai pas parlé à mon oncle depuis des années. D'accord, merci beaucoup. Attention. Ouais? Salut, tonton. Elena, tu veux encore des places de concert? Non, écoute, j'ai reçu un coup de fil bizarre. Je crois que les filles te recherchent. Quoi? Merde, ton appel vient sûrement de les mettre sur ma trace. Raccroche tout de suite. Bingo. Honta. Angelo Tucci, où est-ce que t'es? Alors ça par contre j'aimerais bien savoir... J'aimerais bien savoir comment ils arrivent... Enfin si, ouais si, moi je suis con, mais je sais comment on retrace un appel. Qui organise le transfert, demandez-moi. Si vous voulez savoir comment on retrace un téléphone, c'est assez simple. C'est de la triangulation assez simple. En fait, si vous voulez, vous allez... Votre téléphone est toujours... Je suis en train de traquer son GPS. Je vais le choper avant qu'il arrive à la prison. Joli. Bon. Pour retracer simplement un téléphone, bien sûr, n'importe qui peut pas forcément faire ça. Hein. Il faut avoir les accès, il faut toujours avoir ce genre de choses. Simplement... Comment? Votre téléphone il va se situer entre différentes antennes relais. Et évidemment les signaux vis-à-vis de. Admettons que vous soyez entre trois antennes relais. Donc il y a trois antennes relais, vous êtes à peu près au milieu. La force de signal, elle va être plus ou moins forte selon l'antenne où vous êtes, parce que la principale fonction d'un téléphone, la première de ses fonctions, c'est simple, c'est de dire
En fait, comment la... Attendez, parce que je me concentre en même temps sur la carte, c'est pour ça. Comment? Vous allez avoir trois antennes relais, et puis si la première vous détecte plus fort que les deux autres, ben c'est que vous êtes plus proche de la première antenne relais. Et c'est sur ce principe-là, en fait, en prenant plusieurs antennes sur le réseau, qu'on arrive à localiser précisément un téléphone. Normalement, les opérateurs ne le font pas, mais il est possible de le faire. Il est possible de faire ce genre de... Et pour un tas d'applications, hein, il y avait Benjamin Bayard, parce que je parle beaucoup de Benjamin Bayard, qui expliquait une situation simple. Vous avez comme ça, vous arrivez à localiser, allez, vous êtes un fournisseur d'accès, hein, comme SFR ou Orange ou Bouygues, et vous voyez 50 de vos téléphones qui roulent à 50 km/h sur une longue portion. Et puis d'un seul coup, ça fait, et puis là, ça fait un quart d'heure que les 50 téléphones, ils bougent plus. Et ben là, vous savez qu'il y a un bouchon. Voilà, trafic autoroutier en temps réel. Et même Bison Futé n'est pas aussi rapide que ça. Donc voilà les applications auxquelles on pourrait éventuellement penser. Bien évidemment, voilà, ça pose toujours le problème de, ben oui, mais avec mon téléphone, on sait tout le temps où je suis. Et j'ai pas forcément envie qu'on sache où je suis à tous les instants de ma vie. Ça, c'est... Voilà, c'est toujours le truc, quoi. La technologie peut nous permettre de faire énormément de choses, mais malheureusement, ça rentre parfois en contradiction avec des besoins, enfin, même avec la notion de vie privée, simplement. C'est la notion de vie privée qui... Et attention, je suis un fervent défenseur de la vie privée. Et voilà, qu'il faut... Mais voilà, c'est des choses à savoir. Donc ce que je voulais à l'épée, on va... Non disponible, mission en cours. D'accord, ok. Bon, allez. Allez, excusez-moi, je parle pas beaucoup, mais je me concentre. On va essayer d'aller choper le... Enfoiré. Ok, il est escorté, c'est le problème. Bon. On va bien réussir à l'avoir. Bon. Joli.
Viens, regardez. Allez, on va y arriver. Merde. Bon, je maîtrise vraiment pas assez les véhicules. Quoi cette caisse? Sérieux, personne n'a fait.
c'est pas possible. Je l'avais, je le tenais. Bon. Angelo Tucci. C'est ce type qui organise le transfert de mon témoin. Quelqu'un l'a payé pour obtenir l'identité du justicier. Quelqu'un qui veut l'enlever. Mais il l'a pas encore. Et comment vous allez être légèrement nerveux là? Tu l'as trouvé? Je suis en train de traquer son GPS. Je vais le choper avant qu'il arrive à la prison. Joli. Ils sont en train de me planter de route. Par contre, je peux pas tirer en véhicule, c'est ça qui est un peu embêtant. Quel con. C'est pas vrai, j'arrive à le buter, mais après il faut que je survive et c'est là que ça pêche. Angelo Tucci, c'est ce type qui organise le transfert de mon témoin. Quelqu'un l'a payé pour obtenir l'identité du justicier. Quelqu'un qui veut mon nom. Mais il l'a pas encore. Et comment vous allez être légèrement nerveux là? Tu l'as trouvé? Je suis en train de traquer son GPS. Je vais le choper avant qu'il arrive à la prison. Joli. Je veux pas mourir, mon Dieu. Bon, ok, je viens de créer un bouchon. Allez. Non. C'est pas possible, c'est pas possible. Je vois pas comment on peut faire. C'est pas possible. Va falloir déjà que je me mette au ralenti quand je vais le buter parce que là il vient de se barrer. C'est ce type qui organise le transfert de mon témoin. Écoutez, si c'est trop long, je vais couper. C'est sûr. Dernier essai, puis après je couperai. Parce que sinon, on va y passer une plombe, je le sens bien. Je vais le choper avant qu'il arrive à la prison. Joli.
N'empêche, il est classe, ce jeu. Peu. Quand il sera à 100 mètres. Je pirate le feu. Même 200 mètres, ce sera suffisant. Allez. Ok, je suis sorti du site web déjà. Merde. Non, 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 il va me tracer. Non, il ne m'a pas tracé, c'est bon. Ok. Le transfert n'aura pas lieu. Oh. Eh ben, eh ben. Est-ce que t'as toujours des contacts en prison? Je leur ai déjà demandé s'ils pouvaient le faire glisser sous la douche. C'est des fumiers, mais pas à ce point-là. Je veux me faire arrêter. Bah, bien sûr. Et pourquoi tu ferais ça? Le témoin en question, c'est un pauvre type. Il était au mauvais endroit au mauvais moment, c'est tout. Il avait rien contre moi. Je veux pas le tuer. Juste lui faire comprendre. Bon, on va enchaîner. On va... Ouais, ouais, on va enchaîner et puis on verra bien. De toute façon, je sauvegarderai hors caméra. Pour sauvegarder, c'est simple. Hein. Je prends le métro, je vais à la planque. Et puis à la planque, bah, je dors pour sauvegarder. Tenue légère. Le centre correctionnel de Béline. Grâce à Bloom, cette prison vient d'améliorer son système de sécurité. Serrure en réseau, surveillance automatisée. Si ma cible avait été autre part, j'aurais eu un problème. Mais pour une fois, Bloom a raison. La technologie facilite la vie. Elle est pas mal celle-là. Ouais, Il y a toujours des gens qui quittent.
C'est trop fort. Non, mais c'est n'importe quoi. Ah. Ok. Bon, ok, ça va être encore du traçage par... Ah d'accord, ok, oui, je suis dans la... Je suis sur la caméra des... Ah, cool. Ok, là par contre, je suis sur une caméra fixe. Alors là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Ok, là j'ai accès, là j'ai... piraterie. Ouais non, c'est la caf... Ok, c'est la caméra. Je rappelle que je joue toujours au tactile, hein. C'est quoi là-bas? Smith Joe. Référence à quoi? Référence à Doctor Who, Smith? C'est le pseudonyme que prend Doctor Who quand il veut pas se faire reconnaître. Ok. Là, je tiens un truc là. Allez. Faut que je prenne, c'est cette caméra là. Non, pas celle-là. Bon, on va quand même essayer avec celle-là. Ok, celle là-bas. Faut que je prenne celui en haut. Non, pas lui. Celui-là. D'ici, je peux pas aller là-bas. Non. Ok, par contre, il se méfie de moi. Faut que j'aille là-bas. Pour que j'aille là-bas, il faut que je pirate lui. Faut qu'il aille là-bas, au niveau du piratage de machin là. Allez, va à droite, va à droite. Bien, suis la ligne blanche là, suis la ligne blanche. Allez, vas-y, tu peux le faire. Oui. Tire-toi.
Merde. Bon, c'est pas évident, cette partie-là n'est pas évidente, c'est de l'infiltration pure et on peut pas y aller à la bourrin. Bon, le système de détection, hein, c'est le même que... Enfin, il ressemble beaucoup à celui d'Assassin's Creed. Merde, il aurait fallu que je redescende en fait. Non, je vais me faire griller là. En fait, c'est... Merde. pas évident, pas évident, pas évident. D'accord. Oh non, je peux même pas me la jouer à la... Il est où mon curseur? Alors là, c'est très con. Là, il m'a repéré direct. Bon, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Il doit bien y avoir une solution. On a vu, j'étais pas loin en... Pas de ce côté, putain.
Ok. Ok, ici c'est piégé. Attendez, est-ce que je peux dézoomer? Non, je peux simplement zoomer. Bon, la source, elle est là. Ok, donc on va déjà gérer le reste. Ici, il faut que je déverrouille. Donc déjà, ici... Ah d'accord, ok. Comme ça, ici, comme ça. Ok, comme ça, ici, comme ça. Comme ça. Ok, donc là, je déverrouille ça. Je mets ça en place. Je repositionne ça. Allez. Non, pas comme ça. Comme ça. Comme ça. Non, comme ça. Et comme ça. Et je déverrouille ça. Un truc. C'est pas lui? Non.